Salut le live, donc du coup ce soir on se retrouve à nouveau pour Halo Master Chief Collection du coup. Allô le live. Il n'y a pas eu de live sur le serveur 5M, hein, mais évidemment parce que on est sur un serveur de SGAG encore une fois qui croit que la vie c'est un bisounours, donc du coup on n'en a pas fait forcément ce soir. On essaiera de vous proposer peut-être des lives à l'avenir, on va voir si la situation s'améliore ou etc. Enfin bref. Donc, hop, on va commencer cette campagne. Serveur disgag. Hop là, donc on va reprendre du coup là où on avait terminé l'autre fois. T'as pas dit que t'allais essayer de live en 1080? C'est pas en 1080. Bah moi je suis pas capable de le mettre en 1080, moi j'allais à 720p60. Je vais te dire ça. Et c'est même qualité ou pas quand même? Oui, la qualité est super belle. Avoir ce putain de live sur cette putain de chaîne sur un putain de téléphone. Ouais, mais après t'as un téléphone de merde. Mais y a déjà quelqu'un qui me demande si j'ai de quoi bouffer, quoi. Je fais quoi? Je lui réponds quoi? Bah explique lui si t'as de quoi bouffer. Si t'as pas de quoi bouffer. Brut. Plus vite on descend ces brutes, mieux c'est. Ils n'ont pas de bouclier, mais éliminez-les avant que ça chauffe. Je sais pas, cette même personne me demande tout le temps si j'ai de quoi bouffer. Un truc de fou, quoi. Bah, c'est un mec qui est pas capable de bouffer, si on lui rappelle pas de bouffer, quoi. Dernière nouvelle, il faisait brûler de l'eau. J'ai pas dit que c'était toi. Si tu te sens visé. Non. Je ne crois pas. Si le chapeau de fée. Hmm. Quoi? Si tu te sens visé, si chapeau de fée, comme on dit. Si chapeau de fée. Voilà quoi. Ok, donc on va avancer donc du coup là. Donc on est sur. Je dois faire quoi déjà, putain? Ah ouais, d'accord. J'ai l'impression qu'on est à la fin de. Alors on est pas encore. Donc la fin de plus, non? Non? Il va y avoir un retournement de situation qui va là. Et tu l'as déjà fait? Bien sûr. Ça. Bah quoi aussi. J'ai baissé un peu le son parce que je pense que. Je sais pas en fait. Oui. Ouais ouais, donc voilà ouais, parce que je l'entends dans la. J'ai plus d'oreilles en fait. Donc c'est pour ça, on va baisser un petit peu. T'entends avec quoi? Par le cul comme les pingouins. Demande ça à ta mère. Non! Pas le pas de maman. Ok, voilà, donc on a un petit peu de temps. Alors, c'est cool parce que je vois des méchasses dans le chat, mais je les vois pas sur le téléphone. Enfin, bref. Ouais, mais c'est le même problème que j'ai, tu vois. Et moi, le problème, c'est quand je fais un retour Windows. Oui. Alors, au mec, je vais lui dire que j'ai que des légumes à bouffer. Peut-être qu'il en veut. Qu'est-ce que t'en sais? Je suis mort, j'ai combat. Bon, j'ai un peu de mal, on va se concentrer un petit peu. J'ai un peu de mal avec le clavier souris sur la rue. Ouais, ça va. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Bonjour. Quel légume? Je bouffe que des porcs et des cochons, moi. Tu t'amuses bien avec mon compte, hein. T'as aucune preuve que je suis sur ton compte. Je vais lui répondre que c'est pas très très santé. T'as vraiment aucune preuve. Hmm. Ah. Alors demain, tu vas recevoir ta veste. Peut-être. Une petite veste du RRTS. Posez-moi sur un de ces piédestaux à côté de la. Alors, mais ce serait bien. Non. Ouais. Ce prophète, vérité, il a l'index. Il faut que vous lui repreniez. Voyons un peu ses portes. Allez-y, il vaut mieux que je reste dans le réseau pour trouver vérité. Alors le patch, t'envisages comment le patch du RTS? Bah tu verras, je t'en explique. Ok.
Mais ils vont être. Ça va être des scratchs ou ça va être un petit truc en PVC, non, PVC ou. En PVC, d'accord, c'est bon. Tu vois, moi j'en ai une qui est avec chrome, mais c'est comme du plastique en fait. Mais elle est. Du caoutchouc. C'est plus caoutchouc celle que j'ai. C'est ça du PVC? Non, du PVC, c'est pas du plastique 2. Non, c'est ça, celle que j'ai, elle est plus caoutchouc. Caoutchouc élastique. Ben le caoutchouc ça bouge. C'est. Tu peux le bouger et tout. Voilà. Alors que le PVC c'est dur. Mais les deux c'est quand même assez durable et tout. Donc, quand même bien. Est-ce que tu as ton porte-bonheur? Tu le sais plus. D'accord. Après moi aussi je l'ai mon porte-bonheur, mais il passe son temps à vouloir sortir dehors. Il est chiant quoi. Il est gros ton porte-bonheur, il pèse 55 kilos. Ouais, toi le tien il pèse 15 kilos. D'où? C'est pas juste. Ta petite porte-bonheur elle est pas lourde. Si elle t'énerve, tu la ramasses sous le bras quoi. Moi le mien, s'il m'énerve, c'est un peu de ramasser sous le bras. J'ai des petits bras. Ça me trouble. Elle est crève au bout d'un moment, non? Non. Voilà, merci. C'est par là. Merde, le mec sur le live m'a répondu. Pourquoi? Il m'a répondu bagarre, bagarre, bouf, bouf. Je crois qu'il aime bien chasser à main nue finalement. Ça doit être long, ça doit être compliqué. Quoi que, tu sais, les petits gibiers à main nue, ça se fait quand même assez bien. Tu vois comme la perdrix, tu vois quand t'as... C'est quoi une perdrix? D'accord. Bah la perdrix, tu vois, une fois que tu l'as tué, faut que tu mettes tu la mets au sol. Tu mets tes pieds sur les ailes. Tu tires par les pattes. Et ça lui enlève tout le... Tout vient avec la tête et tout les entrailles. C'est un peu sadique. Vérité est dans tous les niveaux inférieurs de la tour. Je vais inverser cet ascenseur anti-gravité. Un sabre grenade. Pas de danger. Et ça fait quoi un sabre grenade? Un grenade launcher. Un gel. Ah, ça fait ça. Renforcer tous les accès aux cellules. Ça va, c'est bien. Tuer le démon adulte. L'autre jour, je parlais avec un des petits raptors qui me dit ouais, c'est bien. Il me dit maintenant sur Tarkov, il y a des goupilles. Tu peux acheter que la goupille. Ah ouais? J'ai dit, je sais pas, mais moi je trouve qu'une goupille, ça me fait peur un peu. Même parce que tu peux crafter des grenades, à ce qui paraît. Ah d'accord. J'ai dit, moi je trouve qu'une goupille, ça me fait peur un peu. Je me demande où est la grenade. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Ah, je reviens dans 2 minutes, la vessie elle est pleine. Je sais. Là, je me mélange sur les touches, c'est vraiment pénible. Ah, il a bougé le cadavre. Allez mon poteau. Attendez, je capte un transpondeur des marines. Les signaux proviennent de quelque part en dessous. Vas-y.
se les choper au corps à corps là. Major, grimpez! Alors voyons les anciens graphismes. Il y a deux groupes de Marines dans ce bloc. Je les localise. Et vous, neutralisez les gardes. Discrètement. Discrètement. Tu sais, j'ai ma porte, puis j'ai comme une porte moustiquaire pour l'été, puis quand le moustiquaire, il y a un trou dedans. Ouais. Mon chien, à chaque fois, je le sors dehors, il reste sur le balcon juste devant. Il rentre sa tête dans le moustiquaire, il regarde, il fait comme « Coucou les copains !» Je suis dehors, mais je regarde quand même ce qui se passe en dedans. Voir s'il n'y a pas de la bouffe ou un truc du genre. Mon chien est étrange. Sérieux, il passe son temps à essayer de voir ce qui se passe partout. Il est incroyablement curieux. Bon, on a sauvé un des groupes de Marines déjà. Il en reste combien à sauver? Deux. Milieu, Major. D'autres gardes, attention! Où ça? Sur d'autres gardes, on se compare. Quoi? Eh, mon bingo d'hier, on était quand même 27 personnes. Attention!
pas notre copain Marine, c'est toi qui est arrivé? Bah, il est passé où? J'en ai deux. On a perdu un pote ou quoi? Ah bah non, il est là. Je suis fatigué. Continuez en tête, Major. Bouge. Moi, faut monter en haut, mais tu peux essayer de monter en bas. T'as perdu ton droit de parole, toi. Ok, désolé. Ok, donc tout s'était neutralisé. C'est bon, les marines sont là. Ah, c'est cool. Tous les marines sont libres, Major. Bien joué. Allez, c'est parti. Dans le channel public, c'est bon. Ouais, mais c'est pas tout qui est fait. Pourquoi? Le mettre, tu vas être dans la chambre, dans le salon ou sur le jeu? Xbox Live, vous avez perdu. Veuillez vous reconnecter. Ah, merde. Ouais, c'est la connexion à Xbox Live. Et je nous mets dans la salle de jeu. Comme tu veux, c'était pour jouer. Voilà, capitaine. Il a fait un commentaire sur moi ce... Il a un peu fait l'erreur de le former. Et moi j'ai des raptors qui avaient comme ici. Voilà. Parce que ouais, toi tu pars, tu donnes des ordres d'émission. Ah, j'aime bien cette arme là, qu'est-ce que c'est? L'épée là? Ça tombe bien. Bon, c'est bon, on dirait qu'on a tout le monde. Bien joué les mecs. En avant. Attention! Comme tu peux voir, il y a une espèce de guerre entre les covenantes qui oppose des ennemis. En fait, tout le monde est en baston.
En fait, les commandes sont en train de tuer. Ouais. Parfois, tes covenants sont comme séparés entre les normaux et les sujets. En fait, tu vois, tous les covenants sont différents. Tu vois, il y a des trucs, il y a des machins, etc. C'est comme, ouais. C'est comme nous avec les pays. Ils formaient une espèce d'alliance, tu vois. Ok, ouais. Sauf que l'alliance a éclaté et tu vois, ils sont tous en train de se tuer. Les élites n'ont pas réussi okay. à protéger les prophètes. Mais toi, t'es pas un covenant, t'es. Ouais, je crois. Que notre foi. T'essayes ton but et de sauver la terre. Ouais. Mais c'est ça, toi ton but c'est de sauver la terre. Ok. Les hunters là dans un espace qu'on fait. En plus, je t'ai vu tomber. Dirige désormais nos flottes. Elle vous demande allégeance et vous allez la leur donner. Ah ouais, et en plus, il s'amuse à regarder les cadavres quoi. Ouais, on a un skin bloqué là, il faut pouvoir passer. Oh non, donc tu vas être tout seul? Non, c'est pas. Ok. C'est de merde. Ah, il est mort au combat, il a pas réussi à traverser. Bon, bah, laisse tomber, hein. On va continuer avec les Marines. Ok. Tu sais que les classes me font penser aux classes qu'il y a dans le jeu sur Battle.net là. Je sais pas du tout. Le jeu sur Battle.net. StarCraft. Ah oui, StarCraft. Oui, mais c'est un peu long, ouais. Ouais, je crois. Dans les petits marines. Bon. Je pense juste qu'ils se sont perdus, un peu comme Massimo. Attends, ils sont là. Salut les mecs. Wesh. Ok, pas wesh, c'est les. Oh non. Faut avancer.
Oh. T'as fait un cercle. Ok, génial. Est-ce qu'on essaierait d'aller dégager les Marines avec des grenades? Attends. Parce qu'ils nous sont utiles quand même pendant l'émission. J'espère que ça va pas te ramasser juste avec des morceaux de Marines parce qu'ils vont avoir explosé par ta grenade. Je m'attendais à un meilleur effet. Allez, sors, copain. Putain, je l'ai encore plus bloqué le mec, tu sais. Vous attendez quoi? Il est quand ton pote? Allez, on y va là. Avance, gros con. C'est à moi, faut que tu le poses, quoi. On peut y arriver, Major. Allez! Voilà, c'est bon, t'as réussi. Ok. Bon, quant à lui. Et voilà. Zone dégagée. Voilà. Allez, let's go. Moi, tu le victimises vraiment quand tu le poses comme ça. Bougez les gars. Tu vois, tu vois. Allez. Putain, vous avez plus de la vie, c'est magnifique. Sauf mes hommes. Tu les bouscules jusqu'à temps qu'ils te suivent, hein. Ouais, non, mais attends, faut qu'ils se bougent avec eux aussi, hein. Merde, mais je dois passer par où? J'y comprends pas. Ah, un terminal. T'es perdu? Tu comprends comment je me sens la plupart du temps maintenant? Whereas most species were grafted into the covenant by faith or mutual beneficence. Oh putain, il parle anglais, hein. Laisse tomber, j'ai la flemme de traduire ce soir, hein. Bon, alors du coup, faut qu'on aille où? Putain, ah, je me souviens plus là, j'ai un truc. On est passé là. Oh, il y a la mouette. Est-ce que je peux tuer la mouette? T'as envie de manger du poulet en fait? Ah ouais, je peux la tuer. Tu vas pouvoir manger PFK. Ah, c'est là que je dois aller, putain, je suis con moi. Hein? Moi de te trouver. Ok, on y est. Allez, les copains, là, on y va. Allez, tout le monde, allez, Bernard. Voilà, on a Massimo. Là, on a Denzel. Allez, Major, on se les fait! Avec Carman. Et on va dire que l'autre, c'est McCarson. McCarson, d'accord. Et des rapports font état d'échange de tirs à l'intérieur. Cortana, créature de l'Alliance, la voix est large. Et nous marchons. Toujours sa gueule, Cortana, ça peut être. C'est pas vrai. Oh. Elle te demande comment elle peut t'aider, oh, c'est Overlord. Notre vaisseau. Pas... Je n'ai pas de réponse. Bon, en avant tout le monde. Il s'est écrasé sur une ville un peu plus loin. Alors tu vois, c'est une ville. Regarde Asté. C'est une ville. Aïe. Ah, bonjour, salut les mecs. Tu veux qu'on fasse son cri pour... Ouais, enfin... Oups. Ouais. J'ai fait les cris de Massimo, voilà. Allez, venez les mecs. Et voilà, ils sont en train de se foutre sur la gueule. Mais c'est quoi ces mecs qui prennent deux coups de 3 coups de 5 qui s'affrontent? Et les extraterrestres, c'est pas comme nous. Oh merde, je suis tombé. Oh le con.
Ouais, donc t'as vu, c'est une ville qui vole. Tu te rends compte? Ouais, et quand tu tombes dans le vide, tu crèves. Ouais, ouais, c'est ça, mais sans déconner. Fais attention aux bandits, mais sois conscient de ton environnement. Oh là là, faut tout que je t'apprenne. Hein. Oh, t'as buté! Et décollé. Bon, on va arrêter de faire le con là. Ok. Alors, j'ai une bonne nouvelle. On a réussi à sauver Massimo. Oui, ouais, il est revenu. Maintenant, on va tuer les élites en priorité. Alors, on y va, les mecs. Je reviens, ça sera pas long. Ok, bon, ils sont sauvés. On a de la chance. En ce moment, les conseillers se réunissent sur Halo pour veiller à la sécurité de l'école. Frères de Meuse, levez-vous! Balayez les élites! Certains prétendaient que ce jour ne viendrait jamais. Je crois qu'on a encore perdu la seconde. Dis donc, c'est pas gagné. Formons-les des tours! Et amenons-les dans les bas quartiers! Vous tirez un petit peu sur moi là. Tu veux quoi? Non, j'ai dit les Marines vous tirent un petit peu sur moi là. Bah c'est... t'as la crème de la crème, t'as Massimo, t'as... voilà quoi. mec, là... non, Massimo il est mort. Enfin, je sais pas, je le trouve plus. Et j'ai la flemme de retourner en arrière prochain. Ah bah, oh là là, ils sont encore plus perdu. Génial. Ah merde, voilà, c'est ma carte qui est là. Bah, tu sais, moi, hein. moi je vais pas mourir, moi, parce que je suis sur toi. Ça me va. Bah voilà, je peux pas mourir. J'ai écouté l'oracle qui m'a confirmé mes plus profonds espoirs. Le grand voyage commence avec Halo. Leur arbitre ne veut plus rien pour eux. Qui peut douter des prophètes? Ah!
ici les enfants. Donc en fait là c'est une vraie guerre civile. Les élites se battent contre les brutes. Donc il y a les élites, les grognards. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les grognards, les hunters, enfin il y a tout plein de trucs qui se foutent sur la gueule. En fait, et nous on est au milieu de toute cette merde. Mais nous on est avec qui en fait? Nous on est avec personne, on est des humains et on est là juste pour. Parce qu'on a une mission, c'est de détruire Halo, on veut détruire Halo. Ouais, donc toi faut que tu te battes avec tout le monde qui se battent entre eux. C'est ça. Et moi au commandier j'ai les Marines par exemple. Mais bon, les Marines il y en a pas énormément. Ouais. Sachant qu'en plus les Marines sont susceptibles d'être infectés par le flot, c'est tout ça. Le parasite ouais. qu'on avait vu dans la précédente ouais, le parasite, ouais. Donc là, c'est compliqué. Merde. On est à la main. Je sais pas où sont passés mes petits Marines. Là, ils me suivent plus. Ah bah voilà, enfin les mecs, toujours en retard. Comme d'habitude. Ça va, on s'en sort bien. Réussir, on va réussir. Oh, salut les mecs. Attention! Enfin un défi! Ok, on va niquer sur les LP. Oh putain, c'est quoi tous ces élites? What? C'est quoi tous ces élites? Garde-toi! Que se mande en même temps? Ah, ah. Oh putain! Ok, bon, va falloir être plus productif que ça. Donc là, grenade. Là, grenade. Là-bas, grenade. Et là, grenade. Putain. Oh non, j'y étais presque. Oh là, j'ai les boules là. C'est pas l'un qui me chope, c'est l'autre. Mais c'est génial. Tu te fais plein d'amis, toi, en fait. Il y a du sang dans le stade. Ok. Mais putain, le gun qui s'explose à côté de moi. Oh, c'est relou. Les Marines sont morts. Hein. Ouais, les Marines se sont fait déglinguer. Oh putain, y'a une brute. Ils ont servi de char à canon. Oh là là, putain de sa grand-mère. Yeah!
lol, il m'a one shot. Putain, ce que j'en ai marre. Bon. Grenade ici. Ok, d'accord, on va vous expliquer. Oh là là, mais. What the hell? Ouais, mais faut que je rentre, monsieur le président, il pleure. Ok, bon. Les marines sont pas survécus, bon ils sont fait déglinguer par la brute qui était derrière, bon bah c'est la vie. Donc nous on va continuer. Ah. Dégueulasse. Il est gros en plus celui-là. Désolé. C'est ça, désolé l'autre, elle arrive à retourner. Non mais j'ai pas fait exprès. Je m'y attendais pas en fait, il m'a pris par surprise celui-là. Désolé, c'est la coquille Saint-Jean qui a monté. Vous avez ça chez vous, des coquilles Saint-Jacques? Ouais, bien sûr. C'est ça que je suis en train de manger. C'est un vrai repas, comme ça on me fera pas chier. N'oubliez pas son like si vous le voyez. Je vais envoyer un message à Vincent Raptor pour lui dire de manger. Si vous voulez, je vous donne même son adresse email. On évite s'il te plaît. Merci. On va monter directement, hein. On va se casser les couilles. Ah bah non, ça peut être monté par là. Ok, d'accord. On va éviter le combat. Salut les mecs. Oh salut les mecs. Ah salut. Si nous voulons attraper Vérité, il faut prendre un raccourci et passer par le mausolée. Oh, oh. Voyons un peu pour côté. Allez. Pour l'instant, ils essaient surtout de... Alors ouais, que je te présente mes excuses, c'est vrai. Oh. Hier j'ai envoyé un message pour savoir s'il y avait des gens qui voulaient jouer à GTFO et je t'ai comme inclus sans te le demander. Ouais. Je fais ça souvent, c'est pas grave. Faut vraiment faire gaffe aux affaires dans ce jeu parce que eux ils vont pousser dans le but. Et je le sens arriver gros comme une maison quoi. Là on va essayer de les attaquer à la grenade mais c'est pas évident.
demain matin, si tu fais dodo, je vais peut-être faire un live Overwatch sur les events. Ouais, jusqu'au 1er juin. Voilà, on en a tué un. Voilà, le deuxième est mort. Et faut y aller, hein. On ferait peut-être mieux de les laisser tranquilles. Hop, dans les dents, espèce de salopard. Bonjour monsieur le président. Au revoir monsieur. D'accord, c'est court. Alors la visite de la présidentielle a été incroyablement courte. Il est passé pour regarder. Je capte deux autres transpondeurs. C'est le commandant et Johnson. Ils sont tout près de vérité. Faut qu'on bouge, vite. Non, à droite. Salut les mecs. Oh, mais non, on est mort. Oh, salut toi. Hop, dégage, ta mère. Que des parasites sortent de l'épave du Inamberclad. Trouvons l'index et sortons d'ici avant que les choses ne tournent vraiment mal. Allez, musique. Séparez-les, un dans chaque fantôme. Tous les espoirs. Revenante, je m'en allais dire une bêtise, mais je me suis rappelé que t'étais en live. Donc je vais me retenir. Laissez-le. Le grand voyage n'attend personne, frère. Pas même toi. T'as vu cette espèce de gros bâtard? Ok, donc du coup, bah on continue. Donc du coup, là, on va jouer la révolte. Donc, avec l'arbitre, du coup. Avec l'arbitre? Ouais. T'as un message? Oh mon dieu, j'ouvre mes courriels, tu sais ce qui est marqué? J'ai un courriel qui s'appelle un nouveau jeu sur le terme d'Astérix. C'est ça, bah, c'est du courriel.
alors on trouve l'arbitre qui va découvrir tout simplement que les brutes sont en train de tuer absolument tout. Ils ont trahi les conseillers. On va dire que c'est un passage triste parce que bah, les élites se sont fait soulever par les élites se sont fait tuer, on va dire, dans le dos par les brutes de Tartarus, du coup, qui ont été incités par les prophètes, bien évidemment. D'accord. C'est-à-dire que le jeu, pour comprendre toute l'histoire, il faut vraiment lire les manuels, etc. Il y a des manuels ? Ah, pas les manuels de jeu, parce que normalement, ce jeu, c'est un jeu Xbox, en fait. Et dedans, ouais, toujours un petit livret qui t'explique un petit peu l'histoire. Tu vois, moi j'ai pas vraiment joué parce que moi je joue un peu Nintendo. La Super Nintendo que je joue. Ouais, parce que t'étais... Mario Bros. Ah, voilà. Moi je suis une fan de Mario Bros. En plus, des jeux, j'avais, avant de formater mon PC, je les avais sur un émulateur sur le PC, mais j'ai pas réussi à les retrouver. Fait chier. Je joue à Super Mario Bros. Bravo pour la discussion. C'est possible, sur l'émulateur on peut jouer à deux. Moi je serais Mario, toi tu serais Luigi. Non mais il y a des jeux de Wii en plus. Ouais, je sais. Ça te dirait? Ouais, pourquoi pas. Allez, j'ai essayé de voir. Je peux la faire. Donc là on rejoint nos camarades, donc les Gons sont avec nous, les élites sont avec nous, il y a plein d'espèces qui sont avec nous, mais pas ces fils de pute de gros. D'accord. Les rapaces non plus sont pas avec nous. Ok, ils sont partis où? C'est des gros des connards, ils sont avec les boîtes. Ah ouais, d'accord. Que ça se peut que dans ma tête tu me vois plus tard. Ça se peut que demain matin tu me vois un peu plus tard. Je pense que ça fait assez longtemps que je repousse d'aller voir le matin. Ouais. J'ai allé le matin. D'accord. Et après tu vas me voir, mais un petit peu plus tard. Je là, je pensais lui dire qu'elle doit aller voir le médecin. Non, c'est bon. Arrête de conneries. Pourquoi? Là t'attaches à faire un message à personne. Tu te calmes. Arrête, tu leur dis ça, ils vont vraiment venir m'embêter pour vrai, hein. Ouais, je sais. T'es au courant? Ouais. Mais... C'est pour ça que je leur dis. Je t'interdis de leur dire. Sinon j'y vais pas. La rediff live, les gars. N'oubliez pas. Sinon j'y vais pas. Ils sauront pas. Tu leur dis j'y vais pas. Parce que tu sais c'est quoi le pire? C'est que eux, ils se lèvent tôt. Et eux, ils se lèvent tôt, ce qui veut dire que chez moi, il est 3-4h du matin. Et ça commence à me spam. À 3-4h du mat. Ouais, comme ça, la prochaine fois. Et oubliez pas de lui dire de se coucher tôt aussi. Ah ouais, là, c'est bon. Pour à ce qu'elle va spam à 3-4h du mat. Salut mon élite, désolé, mais je t'ai TP. Non, après il est 3-4h du mat et je me fais réveiller. Hein. Est-ce que le live on en a quelque chose à foutre? Non, on en a rien à foutre. C'est quoi, j'ai commencé à te réveiller à cette heure-là? Bon, allez, go. Ah ouais? Ah ouais, je suis encore réveillé à 3-4h du mat. Ouais, bah, parce que toi t'as pas les notifications d'allumer. Moi oui. Non, mais à 6h, 7h, je vais te réveiller. Ouais, c'est ce que j'ai à faire, je crois. Moi c'est parce que j'ai pas le choix de laisser des notifications allumées si j'en reçois des appels ou quoi que ce soit sur le téléphone. C'est ça le souci quand t'es maman. Dans cette malencontreuse bataille, nous avons perdu un élite, mais bon, c'est la vie. Au revoir Massimo. Oh, il va revenir, t'inquiète pas. Il revient à la vie souvent.
Elle a 9 vies, c'est un vrai chat quoi. Est-ce que c'est Massibo qui va revenir ou c'est Blackout? Non, parce que c'est un bâtard. Pas, c'était un petit tout normal. Ouais. On peut trop aller au camp. Attention, hein, t'es pas immortel, je sais. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le président? Il était tout souriant en plus, mon chien, hier. T'as vu la photo? Mais toi qui dis toujours qu'il fait la gueule. Tu dis, il fait toujours la tronche. Là, non, hein. T'es vraiment souriant. Ouais, je sais. T'as vu? Tiens, ce chien, il dort dans mon lit. Il prend plus de place que mon homme dit. C'est vrai, en plus. En plus, qu'elle me dit. En fait, c'est pas ce que je comprends. Moi j'ai l'habitude de dormir collé sur le mur. Tu dors du côté du mur toi ou tu dors du côté du vide? Du côté du mur. Ah ouais? Ah ouais? Mais alors dans. De quoi? T'imagines si un jour on avait dormi ensemble, on se serait battu. On dort tous les deux du côté du mur. Ah c'est parti. Ton ami, hein? Tu les écrases, tu les bouscules, tu leur lances des grenades pour qu'ils bougent. Waouh! C'est dur être membre du RRTS, hein? Faut se prendre ça dans la gueule.
Alors t'es prêt en fait d'aller à conduire gros 4x4. Jeep, tu connais? Ouais. Putain, je suis remorque, mais c'est quoi cette merde? Et tu vois les jeeps normales, moi les miens, les pneus, c'est le double du jeep normal. Ah d'accord. Bon, et moi, si je l'ai monté. Ça sera l'autre qui se remporte. Ouais, ça ressemble limite à une mini version des pneus de Monster Truck, quoi. D'accord. Une mini version, c'est pas Monster Truck, c'est quoi que ce soit. Et il est monté aussi de 2 pouces plus haut. 2 pouces, c'est à peu près 5-6 cm plus haut que les autres. D'accord. Et j'ai mis une grosse plaque de métal en dessous, d'acier, pour pouvoir faire justement du off-road tranquille sans risquer d'attraper un gros caillou tout brisé, quoi. Ah, t'as bien vu. Il est vraiment monté pour du off-road. C'est pas. Sur la route, ça coûte extrêmement cher à conduire étant donné de la grosseur des pneus. Mais sur l'off-road, étant donné que tu conduis plus lentement sur l'off-road. Ah, je suis bien conduit. Et tout, donc. Ah, bah ouais. Mais du coup, il y a des gens qui sont pas super grands dans la vie de tous les jours. Qui ont peut-être un petit peu de mal à embarquer. Pas beaucoup. Et. Ta gueule. Donc voilà. Embarquer encore, ça va, c'est moyen, mais pour débarquer, faut presque shoot. C'est drôle, c'est quoi, ça peut être comique. Ouais, je pense que ça va être drôle. On va se faire pareil. T'es que. Ouais. Mourir en fait. Désolé. Attaque! J'ai une blessure au cerveau qui a pas été, c'est tout. C'est ça, j'ai dit désolé. Des fois ça m'arrive, des fois ça m'arrive. Putain, ils m'ont explosé de là-bas, sans déconner. Oh non, t'es encore moins. Et en plus, ils revolent super loin quand ils meurent. Donc si je comprends bien, les Halo, tu les as tous faites déjà sur Xbox. Ouais. D'accord. Quand t'étais tout jeune ou petit adolescent, en train de muer. C'est ça? Ouais, mais je niquais déjà ta mère avec toi. Sérieux? Ouais. Oh, ah. Et c'était bien? Non. Pourquoi? Oh. Je pensais que t'aimais les vieilles. Tu m'as toujours dit que tu préférais les femmes plus vieilles. Voilà, elle est plus vieille que toi. On est cassé la coupe. Ah ouais, mais ça c'est. Voilà quoi. C'est le souci quand on aime les femmes plus vieilles. On invente une machine à remonter dans le temps. Ah
Ouais. Certaines erreurs, je crois pas. On demande là dans le temps de 5-6 mois. C'est bon? Je vais remonter dans le temps à octobre. Ouais, on va envoyer les risques s'engager. Ça, pas de stress, pas de ci, pas de ça. Oh. En parlant de Valérie, faut que. Va falloir que je te parle. Non, va falloir que je te parle. Faut la tuer. Va falloir que je te parle. J'ai des problèmes de colère, donc il va falloir que je. Ouais, y'a pas de soucis, c'est pas bien d'avoir des commandes, des problèmes de colère et d'agir dessus. Ok. Est-ce que vous êtes déconfiné là chez vous? Ouais. Donc vous avez le droit d'aller voir les gens et tout? Ouais. D'accord. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des risques que vous soyez reconfiné. Ah d'accord. Donc là c'est bon, vous pouvez sortir comme vous voulez, vous avez plus besoin de remplir vos papiers, puis vous pouvez aller acheter à manger. Donc du coup tu peux aller acheter des petits papiers. On y allait quand même, hein. Ouais je sais mais là, tu vois comme ici les magasins, il y avait un maximum de personnes oh, dedans. J'en ai marre, ça y est, ça commence à m'énerver. Oh non. C'est ça, les magasins ici, il y avait un maximum de personnes dedans, puis tout ça. Ouais, parce qu'on peut pas y chez nous. Nous, il y a encore, tu sais, encore certaines mesures et tout. Ma région est encore confinée. Mais la majorité des autres ne le sont plus. La mienne est encore confinée. Là, j'attends de voir... ils vont dire que tout est confiné, qu'il n'y a plus de risques et tout. Va avoir besoin énorme de gens dans les hôpitaux pour. Voilà, pour tous ceux qui sont. Non, mais faut pas qu'ils retournent à ce délire. Pour travailler avec ceux qui sont rétablis, il n'y a pas de soucis. Ouais. Parce que, tu sais, c'est des gens qui vont avoir besoin, qui ont besoin de réadaptation. Oui. Parce que. Tais-toi. Je ne t'ai jamais dit que je l'ai eu. T'as eu le Covid-19, arrête. J'ai jamais... Non mais l'infirmière qui est soignée me l'a dit. J'ai jamais validé cette information. L'infirmière qui est soignée me l'a dit. Je crois pas, non. Si, je crois. Non, parce que je lui avais donné des instructions. Si, je lui ai demandé, on touche combien je teste d'abord. Toi t'avais fait le voilà, à savoir qu'il y a un retard qui vient dans ma ville à tous les premiers... De quoi? Mardi ou mercredi du mois. Techniquement c'est la semaine prochaine. Mais de quoi j'ai pas fait? Un retard. C'est avec eux. Il me semble que c'est tous les premiers. Ou c'est peut-être tous les deuxièmes, mardi ou mercredi tout. Dans genre. Parce que oui, ma ville est trop petite pour avoir un notaire à temps plein. En plus tu me parles de ça, puis tu viens de me rappeler qu'il faudrait que je prenne mon nom. Quoi? Je m'écris une note. Je m'écris une note pour prendre un rendez-vous. Pour un notaire? Il y a des choses qu'il faut que je fasse, notarié. Notarié? Vous voyez de façon? Ouais! Notarié, c'est un vrai mot, non? Ah, on a enfin fini. Je crois. Je suis pas mal sûr que c'est un vrai mot. Oui, un document notarié. Par les anneaux, arbiteur! Les conseillers, alors, la définition de notarié. Sauvage.
vidéo, tu la laisses tranquille. Les prophètes n'auraient pas dû leur faire confiance. J'adore ses cheveux. Ah, tout le monde les adore. Et ben le live, c'est sur ce qu'on va se quitter. On se dit à demain. Et repressez-vous bien, prenez soin de vous. Et à demain.